Alors, chaque année, l'Éducation nationale, elle édite toute une série de données sur ces lycées et depuis cette année sur les collèges, c'est nouveau. C'est pour évaluer en fait les établissements, pour que les chefs d'établissement eux-mêmes aient un retour sur leur travail. C'est une sorte de photographie des lycées et du travail qui est fait dans ces lycées chaque année. Elle se base sur beaucoup de critères, parce qu'évidemment, il n'y a pas que le taux de réussite au bac pour schématiser. Il y a énormément de critères. Et nous, à partir de ces critères, on les classe. Donc, ce n'est pas l'Éducation nationale qui établit le classement. C'est nous, la Voix du Nord, qui établissons un classement sur la base de ces critères. On en choisit trois. Le taux d'accès de la seconde au bac, le taux de réussite au bac, et le taux de mention. Pourquoi ces trois critères-là? Parce que l'accès de la seconde au bac, c'est la façon dont les lycées accompagnent les lycéens jusqu'au bac sans en perdre en route, en fait. Le taux de réussite au bac, bon, bah, on comprend aisément son intérêt. Et le taux de mention, c'est parce que les mentions disent beaucoup de la réussite après dans le supérieur. Donc il faut recontextualiser tout ça pour déterminer ce qui tient vraiment du travail du lycée, sans tout le contexte extérieur qui intervient. Tous les lycées ne font pas face aux mêmes enjeux, aux mêmes difficultés. Donc pour corriger ça, on prend une valeur ajoutée, ce que calcule l'Éducation nationale, hein. C'est une valeur que calcule l'Éducation nationale en fonction des lycées qui se ressemblent. En fait, voilà, l'Éducation nationale veut comparer ce qui est comparable, donc des lycées qui se ressemblent, qui évoluent dans des mêmes contextes. Et pour ce faire, elle calcule la moyenne de ces lycées. Et en fonction de cette moyenne qu'elle obtient, elle compare un lycée comparable par rapport à la moyenne. Donc, elle dit, eh ben, par rapport à la moyenne de ces lycées comparables, le lycée en question a fait mieux ou il a fait moins bien que ce qu'on attendait de lui, du coup. Puisqu'on a une moyenne, ça, c'est ce qu'on attend de lui. Donc, quand la valeur ajoutée est positive, le lycée a fait mieux que ce qu'attendait l'Éducation nationale, et c'est très bien. Quand la valeur ajoutée est négative, il est un peu en deçà de ce qu'attendait l'Éducation nationale pour un tel lycée, comparé aux lycées qui lui sont comparables. C'est très important. Donc, c'est pour ça que ce classement, il faut bien le regarder dans sa globalité et regarder à l'intérieur les valeurs positives de valeur ajoutée, et ne pas se contenter du haut du classement. Ce serait réducteur et ce serait passer à côté de lycées qui ont bien travaillé, qui ont bien accompagné leurs élèves, dont on considère que ce sont de bons lycées.